Le musée de l'abbaye Sainte-Croix aux Sables d'Olonne prolonge l'exposition consacrée au peintre Henri Cueco. Je me suis donné la liberté, parfois, y compris avec des moyens matériels relativement modestes mais suffisants, de gagner ma liberté, de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, dans mon travail, à première lecture, on y trouve des ruptures thématiques, des ruptures d'intérêt pour certains aspects des choses, des moments, en effet, je m'intéresse au contenu des œuvres, puis après au langage, puis après à une critique du langage lui-même, sa mise en question, à ses limites, à sa destruction, etc., etc. Il y a une succession d'intentions qui traversent. Alors, je suis sans doute inconstant dans la mesure où, n'ayant jamais été de très près lié à un marché et à un succès matériel évident, ça me laisse une grande indépendance. Je fais à peu près ce que je veux. Je fais des grands tableaux, je ne me pose jamais le problème, ou peu, le problème de à qui les vendre. Ça, vraiment pas. Donc, sur ce qui est de l'unité, j'espère que cette unité se fait, comment dire, malgré moi, parce que il n'y a pas de volontarisme à se montrer unitaire, c'est-à-dire à répéter le même signe inlassablement. Mais il se trouve que, quand on regarde l'ensemble du travail, je crois qu'il y a des éléments qui perdurent, des éléments constants. Quand je le vois un petit peu dans le passé, j'ai l'impression qu'il y a, j'ai beaucoup travaillé, curieusement, énormément travaillé. Beaucoup plus que je ne le pensais. Mais en faisant une monographie au Cercle d'Art, je me suis rendu compte que c'était considérable, quantitativement. En qualité, je ne sais pas. La lucidité ne me servirait pas à grand-chose. Sinon, peut-être à m'engager à ne pas peindre. Les gens lucides après 68, il y en a eu beaucoup. Ils ont cessé de travailler souvent. Non, moi, j'ai pas envie d'être lucide. J'ai envie de continuer à être vivant. Si je regarde mon travail, je pense, en général, que je me suis beaucoup plus préoccupé de recherche de style, de recherche d'un vrai projet, que de quête d'un épanouissement plastique. C'est-à-dire, mon travail manque parfois d'épanouissement plastique, de prise de décision, de culot. Alors, on peut dire culot, on peut dire courage. Moi, j'ai tendance à dire culot. Il y a une espèce de timidité un peu intimiste qui apparaît dans le travail, ou un doute tel que il y a des sorties, des pirouettes. Ça, j'ai tendance à penser ça.